mauvais nouvelle pour moun qui te gen tendance aller ou sorti en direction sud capitale là. Je dis l'espoir fait vivre, est-ce que nous avons toujours espéré, mais espéré qui ça, en tout cas l'espoir pour yon demain meilleur, chaque jour à vin plus loin, pour ti kas haïtien qui rete kwè nan yon dernière chance pour pays qui, en tout cas ça fait longtemps souffrir en bas toute qualité maladie, principalement kidnapping qui fin pas mette à genoux famille haïtienne yo qui gagne plus moun jounen jodi a, moun avant qui est pas déjà rêvé qui était payant cap jeté au pas bonne et pas paquet yo c'est pour la plupart professionnel toute qualité et qui face à déception et même dégoût pays a bayo choisi à mettre compétence désormais dans service sur l'autre pays jodia pays a plus besoin action autorité yo au lieu parole yo qui semblait pas gagner aucun effet réel sous situation actuelle qui chaque jour qui a passé gain tendance vin plus compliqué chiffre sous kidnapping yo par exemple Zak kidnapping et assassinat yo nan payan dernier jour sa yo montre ça haïtien yo vle vive nan pays yo vle rete la kayo mais autorité yo ki en pile nan yo famille yo pa vive nan pays assemblé pa partager rêve ça et c'est peut-être ça guerrier qui expliquer cauchemar ça pays a continué à vivre encore jodia par rapport à nouvel yo qui pa bay moun aucun l'espoir chaque jour nouvel yo y a tendance pitrice que l'autre donc matin encore nous lever à rentrer sud capitale là au niveau Martissant qui bloqué. Oui, rentrer sud capitale là qui bloqué pas d'gagner de monde qui eux même gagner obligation pour aller dans activité yo qui obligé traverser zone ça mais qui est pas capable matin et donc mouvement ça c'est le 4x4 là qui a fait depuis plusieurs jours là pour capable exiger libération notre terre Alex Demosthène qui gagnait environ 3 semaines en bas main ravisseur yo et ceci malgré Li yo déjà bail l'agent monsieur Ote Mandé donc ça qui mouvement ça qui a fait matin qui pral pénaliser au quantité monde qui yo même gagné nécessité pour traverser zone sud capitale là donc nous espérer citoyens comprendre que en tout cas gagne monde qui gagne problème gagne monde qui besoin de l'hôpital gagne des monde qui gagne de l'autre rendez-vous hein, pour que ta traverser zone sud capitale là que yo ba yon chance pour permettre que moun yo capable vaquer à occupation yo pendant yo capable toujours continuer à exiger libération en hôtel et nous apprendre que Kazek Wilken 17 le libéré hier soir c'est ça met Kebro Samor qui lui-même toujours a parlé dans nos moun yo dans zone Tigouavla il confirmé pour nous que li parlé ça gain 10 minutes avec Kazek Wilken 17 qui lui-même finalement joindre libération li après plusieurs jours hein, que le passé n'a mais ravisseur yo li et Simon Tigouave. Alors ce que pouvoir en place allongé doit être sous position politique là dans dossier kidnapping dans Jovenel Moïse montré li ouvert pour dialogue Jovenel Moïse fait qu'on est li l'ouvri de bras la bay acteur politique yo ak société civile là pour arriver joindre une entente sur avenir Haïti président Jovenel Moïse invité spécialement tout membre opposition politique là pour mettre tout orgueil sous côté pour mettre plutôt intérêt pays en avant écoutez président Jovenel Moïse dans micro Johnny Ferdinand m'a demandé tout acteur politique à monde qui dans société civile tout le monde à la ronde bade qui concerné par situation crise que pays a connaît depuis 35 années rapide monde dans des cap parler c'est un procès jodi a pays en crise Haïti en crise depuis nous tout nous mettez tête ensemble pour dévoiler la dictature. Mais depuis des années, nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble pour nous diviser. Jamais. 35 ans, moi-même, quand je parle, nous sommes supposés 7e président d'Haïti. Aujourd'hui, je suis 19e. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ça, moi, je crois que dans tête d'État, après 3 ans, 2 mois, 29 jours, moi, well, il est clair. Pas de gens qui nous arrivent au problème, ça. Si nous ne pas mettre tête ensemble pour nous joindre un bon pacte, vivre ensemble, pour l'année qui venir, pour payer, tu es capable. Rallons souffle pour le rallon vent, pour ne suspendre pas la police problème. Toute la journée, pour les policiers, c'est eux-mêmes qui ont là pour bataille contre nous, pour bataille contre nous qui ont fait des ordres. Mais entre nous, acteurs, maintenant nous,
suspendre notre panne. Parce que si c'est nous-mêmes qui avons gardé, on prend l'exemple moi-même. Depuis que je suis président, 7 février 2017, maintenant nous sommes le dialogue. Mais pendant ce temps, je ne vais pas camper dans le dialogue. Parce que si nous décampons dans nous, je ne vais pas construire le barrio. Centrale électrique, il faut qu'on construise, on va construire. Route port de paix, on va construire, on va construire. Lumière, on va mettre plus en pile côté dans le pays, on va faire. Moun Sibiron qui a de l'eau potable pour boire, kounya. Moun les Anglais, moun potable, moun rochabato, potable bien de l'eau. Ça veut dire, ça, yo important pour nous comprendre que nous ne pouvons pas attendre le dialogue là seulement. Barrage qui a construit sous Grande Rivière du Nord, je parle de barrage, la tannerie, potable construit. Route qui a construit dans le bas nord-ouest, potable fait. Aéroport Jérémy, potable construit, si nous t'attendons, que pour nous attendre le dialogue là. Pendant que nous avons demandé le dialogue là, dans le bord droite là, nous travaillons dans le bord là. Parce que le mandat en président, il est fait pour lui un contenu, il n'est pas fait sans contenu. Mais, m'a dit frère Maxime, qui n'a l'opposition politique, les gens qui n'ont la société civile là, en nous gardant ensemble, mettez orgueil nous sous-côté pour nous voir les gens qui ont venu, génération future. En ne pas garder nous-mêmes aujourd'hui. Parce que l'âge nous vient aujourd'hui, c'est aller nous aller. On garde les jeunes, on voit les gens qui tout le temps qui exaspéré avec la situation du pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qui rôle que la politique gagne dans le destin de la nation. Je dis que la politique là, est primordiale. C'est lui-même qui l'a pour définir qui est la bonne manière pour le pays capable de sortir dans sous-développement, dans la pauvreté, qui est la bonne manière nous qu'à résoudre le problème d'insécurité que nous avons, le problème de la vie chère que nous avons, la politique là, lui jouer un gros rôle. Voilà, déclaration président Jovenel Moïse. Crise politique là, a gagné conséquence sur tout secteur dans la vie nationale. Là. Leader politique qui est un simple citoyen dans la rue en fait qu'on est bouqué face à crise. Ça a estimé qui est censé pourrir la vie société. Là. Malgré position communauté internationale, là, puis le citoyen fait qu'on est fort qu'il a gagné un accord politique en tout acteur en vant toute l'idée pour organiser élection dans le pays. Là. On suit un reportage à Jean-Georges Blaise. Crise politique là cap départ fini à tirer ce pays a depuis un bon bout de temps là semblait à prendre temps pour qu'on ait une solution. Et malgré position communauté internationale là qui continue à faire pression pour exiger organisation prochaine compétition électorale yo, différents acteurs politiques yo plutôt continuent à prédire sous code là n'arrêter qu'un bétain face à position yo. Alors que souffre population a coupé face avec tout sa petit bout de terre ça a connait comme crise, surtout avec climat insécurité tête chargée qui cause presque tout le monde deux mains en tête journée jodi a une situation qui attire attention yon bande citoyen dans la rue qui semblait pas bien ouais position communauté internationale là face avec crise là. Moun pral vinn mande au monde pour aller dans élection là. Élection pour qui moun la bon. C'est élection a fait pour haïtien, faut que c'est haïtien qui entend ni pour la participer dans élection. Pas gain aucun étranger parce que nous pas qu'à forcer ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France, ni l'Espagne à faire élection la caillou pendant que y a vivre des situations pénibles, situations insécuritaires, kidnapping a monté chaque jour, la faim, grand goût a fait rail dans votre monde, pas quoi nous imposer pour participer dans l'élection les pays dans situation ça. Déclaration ça yo pas trop département ak ça k'ap sorti en babouche yon l'autre catégorie qui croit dans processus électoral là yo considéré comme pi bon route pour renouveler personnel politique là. Cependant, d'après compatriotes nous pral tande là, faut que ta gen yon accord d'abord entre parti en conflit yo qui selon yo ouais pas ouais droit prendre route dialogue. Donc c'est élection bla parler, faut qu'on alternative, faut qu'on tête qui fait nous même haïtien pour nous dire n'a pas élection. Nous pas pays africain, élection pas faire comme ça. On accord acteur parce que nous pas pays africain pour des gain groupe rebelle qui bataille pour élection fait. Faut que sécurité dans pays. Deuxièmement, faut qu'on accord à tout secteur dans pays avec organisation de base yo, avec jeunesse, avec diaspora, faut qu'on accord. Toute force vive nation de mettre d'accord pour y avoir un problème. Problème dans son problème haïtien, haïtien en chita. Entre société civile là, en chita, ak moun ki décide chita, pour que entre nous. Dialogue, accord politique, en tout cas, ça semblait pas sonner bien du tout dans nos oreilles
opposant farouche pouvoir qui continue à faire pression pour exiger départ président Jovenel Moïse, yo dit qu'il gagne mandat bout. Alors que, selon même compatriote sa yo, parti en conflit yo, ta doué adopter yon comportement sagesse, n'en fait tout ça possible pour sortir dans l'impasse là. Faut que vous parlez de qui ça pour faire la situation que nous vivons là. Parce que Haïti a descend net, faut nous jouer une alternative. Mon gars dit, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas un avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, ce n'est pas le problème là. Les oppositions vont camper comme ça. Faut nous retirer le peuple dans sa vie. Et pas celle Jovenel Moïse qui m'a on le peuple là. Nous-mêmes, tout nous, ce problème là. N'est-ce qui parle de dialogue là? C'est sous division, yo fait béo. C'est sous division, c'est sous chirépit, yo fait béo. Quel est qui te sénateur là? Ok, gros business sur l'autre bord. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Yon délégation organisation d'État américain Jean-Georges Blaise a paré là pour rentrer dans le pays en sous demande gouvernement haïtien d'après ambassadeur haïtien dans le pays États-Unis. Edmond Bouchit, délégation ça avait proposé tête-li comme mi-temps jeté là dans le cadre d'une possible discussion entre pouvoir tête calé à opposition politique là. Plusieurs partis politiques dans opposition plurielle là t'ont montré favorable à une initiative pareille, une façon pour faciliter départ ordonné Jovenel Moïse sous pouvoir. Entre-temps, Union européenne pas décidé d'appuyer organisation référendum pouvoir à tête caléa annoncé pour 27 juin cap vinila. En tout cas, c'est ça madame Sylvie Tabès fait qu'on a donc l'idée Union européenne papa ni financer ni observer référendum si là li estimé processus là pas démocratique et transparent dans un pays instable comme Haïti. Entre-temps, 50 cités politiques qui a demandé départ ordonné Jovenel Moïse sous pouvoir fait qu'on a yo déjà chita parler avec divers autres acteurs sous départ ordonné donc sous démarche ça, responsable parti politique Force Nationale pour Démocratie Antoine Rodon, bien aimé, souligné chez Tapaléo, appara pour suivre formation politique qui n'a pas écarté possibilité pour utiliser couloir diplomatique pour arriver pour cédo. Jovenel Moïse dans le palais national, en suivant reportage à Reginald Rémy. Malgré des accords quelques partis dans l'opposition radicale là, cette entité politique qui pouvait pas ordonner Jovenel Moïse sous pouvoir continuera à poursuivre avec discussion yo. C'est Richita Palé qui déjà fait yo, t'a commencé by résultat d'après ancien député Antoine Rodon bien-aimé. Il y a des pôles politiques qui ont idées contraires par rapport à méthodologie pour départ ordonné ya. Yo d'accord faut qu'on départ qui fait dans méthodologie ou bien d'approche que nous gagnons yo même yo des idées contraires. N'a regardé comment nous ca concilier l'ensemble des idées qui étaient contraires pour nous joindre une plus bonne formule là pour nous capable avancer sans pas que personne qui rédit dehors. Gagné plusieurs rencontres qui fait et rencontre a continué. Bien l'autre monde qui gagne mission pour rencontrer l'autre pôle politique, montrer aux faisabilités question. Moi, n'a pas avancé très bien et je pense que d'ici la semaine prochaine, il y a des signaux qui vont commencer à voir pour nous comprendre que nous pas dormir et nous travaillons. Qui ça, cinq entités politiques, ça a pensé de départ ordonné? Est-ce que ça t'a dû fait avant 7 février 2022 puisque Jovenel Moïse dit le pape négocier yon seconde sous mandat? On va parler de 7 février 2022, pas besoin de départ ordonné. On va parler de nous très court là, nous-mêmes. Pas même juste pour idos, nous pas même avec l'autre dirigeant politique ou l'autre monde qui est l'opposition. Nous pas taille date, mais son bagage nous va pas capable prendre 2 à 3 mois encore non pour nous pas finir bagage ça non pour 3 mois encore là ou pour combien monde qui va le kidnapper pour combien monde qui va gagner mourir pour combien monde qui va gagner mourir peut-être 2000 gouttes médicaments il vient demander là déjà depuis 7 février 2021 c'est pas la force qui est là il gagne pouvoir avec la force des armes la force des gangs la force de la police nationale là qui a soutenir un bagage illégal dans pays là si plusieurs acteurs en opposition ont déjà échoué dans quatre divers chita palais qui déjà fait ancien président commission économie et finance dans chambre basse là paraît confiant le dit n'a cherché compréhension de tout acteur politique, yo, même ça qui t'a gagné l'autre interprétation pour nous montrer nécessité que je dis à nous pas gagner de guerre, nous faisons tout ça de guerre, nous faisons déjà, nous faisons 3 mois alors, nous manifester, mettez 1 million, 2 millions de monde dehors, ça on va pas résultat, nous pas gagner 5 000 blindés pour nous entrer dans la palais, je dis à faut que nous utilisions le couloir diplomatique. Pour aboutir à l'objectif, tout moyen envisageable, ancien élu circonscription CRK Kavahala, même promettre pour utiliser le couloir diplomatique. Poser la question, s'opposition arrêtée, plusieurs diplomates gagnent par rapport à des pas Jovenel Moïse, Arono bien-aimé, paraît optimiste. Oui, il y a pas d'élection, on croit qu'il y a fini par voir que l'élection n'est pas faisable en aucun cas, pas de jambes de conditions qui réunissent avec le président Jovenel Moïse. On croit qu'il y a fini par tant de raisons et il y a fini par comprendre la nécessité, il y a ses amis
pays d'Haïti pour accompagner peuple haïtien qui a détresse, accompagner peuple haïtien qui a mouru, accompagner peuple haïtien qui est dans une situation difficile que sans la couler toute journée toute la nuit. Si on c'est des humains, moi quoi qu'il y a attendu les voies autorisées, il y a obligé accompagner peuple haïtien pour évacuer et président Jovenel Moïse le plus rapide. En tout cas, réalité géopolitique qui a montré à clair acte ça yo pas qu'à compter sur relation diplomatique Haïti gagné avec pays occidental yo. Là yo considéré position plusieurs diplomates face à régime PHTK. Malgré massacre, kidnapping, insécurité, diplomate Sayo, c'est élection à parler. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Et dans une interview, il y a accordé by la voix de l'Amérique, ambassadeur haïtien à Washington, fait qu'on ait gagné une mission organisation État américain qui a privé d'un pays avant longtemps, d'après résolution 17 mars passée, dans l'idée pour résoudre crise politique là, secrétaire général fusion socio-démocratie, fait qu'on ait lui-même présence OEA, pas privé rien, une crise pays à qu'on ait, journée jeudi, hein, puisque d'après Saldi, organisation l'État américain, c'est défenseur Jovenel Moïse, toutefois, Rosemont Pradel estimé présence sur mission conseil permanent organisation l'État américain TACA dans bénéfice pays. Écoutez, Rosemont Pradel, l'État répond une question, Lydie Alexandre. Bon, nous pensons que qu'a gagné deux missions, deux types de missions pour Haïti. Une mission qui était toujours conduite, c'est-à-dire c'est le secrétaire général de l'OEA qui est TACA défenseur. Jovenel Moïse, donc défenseur, Takaki Koubieta, qui fait que Jovenel Moïse fait le 7 février 2021 contre la Constitution de 1987, a mandé et contre la population haïtienne. Donc, mission ça a, Takaï ça a, quand le secrétaire général là, dans ma tête, c'est ça là, ça peut être Takaï en rien. Mais mon deuxième mission qui a l'autre importance, c'est dans le cadre du Conseil permanent, qui est une résolution du Conseil permanent. De mettre en exergue, à consulter des résolutions, ça, côté que c'est montré que Haïti va gouverner, c'est-à-dire pas rien, va gouverner Haïti. Et que, dans la résolution, ça, il y a que critiquer totalement l'attaque après les gouvernants. Côté, il y a des faits allusion à question d'insécurité, de gang, de ça n'a pris les kidnappings dans le pays. À côté, que le pouvoir n'a pas rien. Et c'est même dans les gens qui ont des compétences, ou même mon vie qui vont compter, c'est pas quelque chose dans le pouvoir à place là, et cette affaire de sécurité. Dans ce sens, sur cette base-là, c'est-à-dire de résolution ça, donc c'est gagné pour le DVD, ça a été dit en application. Bon, maintenant, ça va être fait parce que le gouvernement de facto, c'est-à-dire le de facto, va être écrit ou invité, parce que il était senti que ça en avant. Donc, je dis là, cette mission, ça a capté dans le cadre de résolution conseil permanent, il y a l'autre signification que si c'est dans une mission ordinaire qui conduit en Haïti, à Paris, il n'y a rien. Donc, c'est dans ce sens que nous disons, pour éviter ça, il y a deux signes. Donc, si c'est Almagro, Capo, Président, qui le dit là, ça n'a pas capté. Mais si c'est dans le cadre conseil permanent, peut-être que ça a capté l'autre signification. Négociation entre acteurs politiques pour joindre une solution dans la crise là, sous l'obédience organisation l'État américain OEA avis au partagé et c'est dans le contexte ça. Insécurité a été principale préoccupation citoyen. Entre temps, six bandits ont décidé de lâcher plusieurs mounes qui étaient dans les derniers jours. Cependant, famille plusieurs otages continuent à attendre Prochio qui toujours en bas, mais ravisseur. Rentrer la caillou, c'est qu'à notaire Alex Demostène qui, je dis, en fait plus passer deux semaines depuis qu'il était enlevé. Nous invitons à écouter cri yon en nièce docteur A qui a lancé un appel à ravisseur. Bonjour, bonsoir. Moi-même, moi, c'est nièce Alex Demostène. À vrai dire, ça a un pile problème. Elle a une famille pile problème. Je dis en fait 15 jours depuis mon nom, oui, pas je me lâche. À tout le monde, là, quand je négocie, je ne pas je me dis en tout le temps, beaucoup de rentrer la caille, moi, toujours.
S'il vous plaît, maman dit pour relâcher. C'est en tout temps que moi mets en pile. Tati est inconsolable. Tout le monde est inconsolable. S'il vous plaît, quittez votre la caille. Nous avons besoin. Tant pis, nous avons besoin de lire. Papa ici, aidez-moi, je ne t'entends. Tant pis, et ça seulement m'a demandé. Imaginons, mon homme est malade, il a des problèmes d'estomac. Pas qu'à ceux qui savent manger, qui savent boire. Depuis tout le salon, je veux changer la vie de tout. T'as pris, nous baissons nos mains, nous baissons nos mains, t'as pris, aidez-moi comme papa ici, c'est moi ici, même ça avait nous lié, t'as pris. Voilà pour cri yon nièce à notaire Alex Demosthène, bandit et kidnappé 21 avril qui sont passés à Iki jusqu'à matin toujours nommé la vice yon nièce là lancé yon appel by PIA pas à autorité en tout cas guerrier bon, bah, bah, la vice yon pour gain pitié pour tonton qui malade c'est qui nommé depuis 21 avril. Oui, donc nous espérons que ça les traverser les oreilles monsieur yo, parce que si famille en bail on partit déjà ou du moins c'est l'instant que vous réclamez donc au moins permettre que mon arrête la caille. C'est l'argent besoin. Hein, c'est l'argent besoin donc si au bail permettre que mon arrête la caille et puis des fois nego pas qu'on est. C'est il y a des fois même j'ai l'impression d'avoir dit bon m'a fini à sa net hein c'est un coup son monde a des problèmes avec lui et il prend au premier monde il prend au deuxième monde donc à qui sort quitter pour famille ça vivre ouais. Mm. Il prend au premier corps peut pas libérer oui. Monde non yo. Et puis exigeons l'autre corps hein c'est pas possible en tout cas campagne autorité pour nous on a dit pour autorité au fond Jean. Et c'est monsieur pour demander pour bailler noter en chance pour le capable rentrer la caille à une famille. Dans l'occasion 1er mai qui s'est passé là, organisation Bataille Ouvrier réalisée et une journée brasser l'idée dans la commune Saint-Raphaël, dans la 4e section Saint-Niago, précisément dans la localité Logalite. Pour l'activité ça, l'idée organisation travaillait cela, demandé paysans yo, ouvriers et chômeurs yo, lever campé pour goumer contre phénomène kidnapping, non, insécurité, toute qualité, avec système mafia, système exploitation, yo dit l'État à classe bourgeois installé dans le pays. Hein, depuis plusieurs années. Plus de détails avec Donald Jameus, correspondant nous dans Saint-Marc. C'est dans le centre polyvalent localité là, dans Port 16, activité a été déroulée. Pour commencer, un groupe femme toute qualité l'âge de chanter plusieurs chants engagés pour accueillir une délégation qui était sortie dans notre commune avec l'autre département. Tout de suite après, différents majors et organisations ont pris la parole pour expliquer la signification de la date 1er mai pour travailler avec l'objectif journée sensibilisation qui était chita sur justice sociale et renforcement de la capacité pour résister contre les forces noires qui ont déchappé bien. Fanes Elusma, c'est coordonnateur de la bataille ouvrière dans le Nord. Je n'embrasse l'idée, ça nous fait l'idée pour que la classe ouvrière qui concentre dans le facteur qui a passé misère et puis gagne l'autre potentiel classe ouvrière qui a sorti des paysannes qui va renforcer dans le facteur côté c'est un massif fait par deux à monter et nous-mêmes nous venons faire, je n'embrasse l'idée ça pour nous faire paysans connaître que si on pas goumé pour empêcher yo pour enterrer yo donc yo pral nan factory et là yo al nan factory c'est on salaire misère yo pral ba yo nous vinn commencer une alliance nous ta dit historique avec classe ouvrière mais dans cadre construction bataille définitive pour changer système diverses crises qui a bouleversé le pays a tant que grand goût chômage misère insécurité phénomène voleur de terre dans paysan yo à domination place bourgeois t'est abordé dans rassemblement ça porte-parole à coordonnateur bataille ouvrière yon après l'autre d'aller Emmanuel Akfanes Elusma mande paysans ak travailler dans factory yo met fòs yo ensemble pour craser sa yo rele régime kokodaï boudi ak pesé soucé yo di l'état ak bourgeoisie a mete campé dans pays a depuis d'antan
n'a lancé un appel avec tout paysan net dans tout pays pour nous dire son conscience nationale qui pour développer avec mariage classe ouvrière avec petit paysan dominé exploité qui pour faire au sel pour nous capable lever camper et soulèvement populaire qui pour faire là l'a sorti par petit paysan dominé exploité. Capitaliste ont gagné divers méga projets pour y prendre soit pour faire exploitation mine soit pour faire agro-industrie pour ça appel d'affaires pour ça Jovenel vend les bananes de fer en banane de cela. Donc c'est tout ensemble de méga projets capitalistes nous-mêmes n'a rassemblé force nous pour nous camper en face. Petit paysan cultivateur travaillait avec divers membres organisation bataille ouvrière qui étaient sortis dans diverses communes avec plusieurs départements tant que l'ouest la Tibonite nord et nord-est déclaré pendant 50 dernières années qui passaient yo au lieu condition la vie amélioré, c'est mal living pi mal malgré promesse toute qualité yo dit gouvernement sous gouvernement fait yo. Depuis commune Saint-Raphaël, département nord, pays d'Haïti, Donald Germeus, Caraïbes FM. Pouvoir en place à faire qu'on est li sur route pour fond baisser quantité moun qui n'a détention préventive prolongée dans le pays. C'est dans ce sens ça, président Jovenel Moïse finalement installé jeudi 6 mai qui donc aille conseil administration, conseil national assistance légale. Alors ce que yo nommé guerrier depuis la date 9 septembre 2020, c'est jeudi 6 mai 2021. Membre conseil là rentré en fonction. Officiellement. Oui, c'est un palais national structure ça a gagné en tête li ministre justice et sécurité publique là qui dit on pourrait l'utiliser comme un outil pour porter aide by détenus qui pas gain moyen pour faire dossier ou avancer devant la justice d'après Rockefeller Vincent à travers conseil national assistance légale ça l'état pral prend en charge chaque détenu et éligible depuis le commencement jusqu'à ce que procédure arrive dans à bout yo ministre plaider en faveur yon harmonisation différents acteurs yon dans système judiciaire là dans bataille pour faire respecter dignité mon déclaration Rockefeller Vincent dans micro Johnny Ferdinand. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti, donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des BAL sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du Sénat comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous. L'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends.
C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition.